Bonjour à tous, bienvenue à l'Emballe, je vous présente Eric de PrestaJob. Bonjour Eric. Bonjour Géry, bienvenue dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup. J'ai une mission à te proposer, de désosseur par heure à côté de l'Emballe, chez Carmenet. Eh ben écoute, mission acceptée. L'entreprise t'attend, je compte sur toi Géry. Bonjour. Bonjour Géry, bienvenue dans l'agroalimentaire. Eh ben écoute, merci, je vous présente Hervé, le responsable de l'atelier où je vous emmène bosser aujourd'hui. Alors Hervé, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va montrer les facettes de notre métier. Mais d'abord, Géry, il faut que tu t'équipes. Eh ben allez, hop. Bon alors, il paraît que tu recrutes beaucoup ici en ce moment. Oui, on recrute des pareurs, des désosseurs. Donc, et pourquoi ? On est en forte croissance. Ouais. Et puis, on a des besoins. On recrute tout profil. Super. Ouais. Ah, parce que moi, tu sais, j'y connais rien du tout. Hein. On va te montrer comment okay. Ça se passe. On va rencontrer Ludovic. Eh ben allez, on y va. C'est bien comme ça ? C'est pas mal. C'est un bon début. J'ai boutonné mercredi et que jeudi, là, je crois. Allez, je te suis. D'accord. Donc, on va se laver les mains d'abord. On va se laver les mains. Bon, alors, c'est pas fini, Hervé. Non, on va s'équiper. Bon, j'ai toujours rêvé d'être un chevalier servant, Hervé. Et donc, tu vas être servi. Allez, tu m'adoubes. Ok. Voilà. Bon, alors, tu as tout type de profil ici. Tu recrutes. Oui, on a des boulangers, des cuisiniers, des pâtissiers. Qui, des veulent, électriciens, changer, qui des... veulent changer de job. Oui. Donc ça, c'est pour ne pas se couper. Ça, ce qui permet de se protéger. La sécurité est obligatoire. Sécurité chaque... avant tout. Avant tout. Allez hop, voilà. Ficelé comme un jambon. Ça. Et le tablier qui va bien pour être au top. Salut Ludovic. Bonjour Ludovic. Ça va? Super. On va où? On va aller en pause là. Ok. Bon Ludovic, je suis ravi de découvrir ton métier, mais alors explique-moi en quoi il consiste au quotidien. Alors mon métier consiste à la finition des morceaux de viande. Donc, c'est-à-dire ? Il y a 5 morceaux de viande. Le casi, le nerveux, la noix, la sous-noix et la noix pâtissière. Donc, ah, des pâtisseries, ça me parle. Ouais, mais non, c'est tout à fait différent. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon métier consiste à, quand les morceaux arrivent devant moi, il faut que j'enlève le gras dur et que j'enlève les cartilages. C'est tout ce que j'ai à faire, étrier les morceaux de viande selon les catégories. Ok, alors moi, voilà. Tu sais, j'y connais rien du tout. Hein. J'ai jamais été bouché. Ah oui. C'est pas grave. Ça tombe bien, moi non plus. Ah bon ? Et pourtant, ton ça se passe très bien. Ah ouais. Alors moi, j'ai été poissonnier d'abord, où j'ai commencé, j'y connaissais quasiment rien et j'ai tout appris sur le tas. Waouh ! Là, je viens d'arrêter il y a quelques mois où je me suis mis en intérim. Et là, je suis depuis 3 mois ici okay. Où j'ai commencé la viande alors que je n'y connaissais rien du tout. Donc on t'a formé, c'est ça ? On m'a formé, ouais. Donc j'étais d'abord à un poste un peu plus facile. Là, je suis en train d'évoluer un peu. Donc il y a possibilité d'évoluer dans ce métier. Donc, parce que moi, tu sais, coup de fourchette, je l'ai, mais pas encore le coup de couteau. Ouais. Quoi. Bah, le coup de couteau, après, faut l'avoir. Hein. Donc ce qu'il faut c'est avoir, pas grave. C'est coup de couteau, concentration. Et bah, être sérieux, bien okay. Carré. Après ici, il y a une super bonne ambiance, que ce soit entre collègues, avec les chefs. On est solidaires. On est solidaires, voilà. Quand on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et également les horaires. C'est-à-dire, tu bosses quand ? Alors moi, je travaille le matin, de 5h30 à midi et demi. Et donc, on travaille du lundi au vendredi. Donc le vendredi midi, t'es en week-end ? Vendredi midi, on est en week-end, sauf exception. On peut nous demander, sous volontariat, ou on peut travailler le samedi. Okay. Mais on peut choisir aussi de travailler l'après-midi. Après, on peut s'arranger, il n'y a pas de souci. On peut faire aussi une semaine sur deux. Et l'avantage, c'est qu'on peut organiser notre vie par rapport à ça. Et ça, c'est très bien. Et le barbecue, c'est quand ? On l'a peut-être ce soir. Allez, on y va. Bon, les gars, merci beaucoup pour cette expérience. Eh ben, merci à toi. Moi, j'ai adoré. Bon, merci j'ai d'autres missions à remplir avec Job & Box. Par contre, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre Ludovic et Hervé. Postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.